Le patrimoine, c'est ce qui est notre identité, ce qui nous rend fiers aussi par notre passé. À Paris, quand je me présentais, quand je disais voilà, je suis albanaise et tout, elle me dit, ah, vous êtes libanaise, parce qu'albanaise, libanaise, c'est ça, ça. Je dis non, non, Albanie, mais c'est où l'Albanie? Je dis c'est au nord de la Grèce, c'est la ville de Pierre de Cadaret, il y a Girocaster et tout ça. Donc il y avait un grand besoin pour montrer et pour mettre l'Albanie sur la carte. Le patrimoine culturel, ben, c'est l'ensemble de tous les biens, de l'histoire, des monuments, de tout ce qu'on a hérité, quoi, de tout ce qui nous fait qui nous sommes aujourd'hui. Donc c'est ça notre patrimoine, parce que le patrimoine c'est matériel, c'est les bâtiments, c'est les monuments, etc. Mais c'est aussi spirituel, c'est le patrimoine immatériel, c'est la musique, la polysopolyphonie, c'est des livres qui sont dans la mémoire du monde actuellement. On a aussi la giubbletta, le savoir-faire de la giubbletta, donc justement un costume au nord d'Albanie, que même aujourd'hui, il est fait par les femmes, mais c'est un savoir-faire en voie de disparition. Donc c'est pour ça qu'il a été inscrit aussi à l'UNESCO, donc justement pour être protégé. Donc patrimoine, c'est tout ce que nous sommes et c'est tout ce qui nous fait. L'Albanie, c'est un pays au carrefour des civilisations. Donc on a un patrimoine très riche, on a un héritage culturel très riche. Ça, c'est aussi parce que l'Albanie, ça a été un terrain de bataille, que ça remonte vraiment à l'Antiquité. L'Albanie a été au croisement des grandes artères économiques comme la Via Egnatia, qui commence à Rome et qui termine à Constantinople. Donc une voie romaine, une route très importante de commerce, mais d'armement aussi, de militaires, etc. Donc c'est vraiment, on a des traces, justement, cet brassement des occupations, des civilisations. On dit souvent beaucoup de mal de régime communiste, mais si on a préservé le patrimoine antique et le patrimoine justement de l'époque de la Renaissance albanaise, tout patrimoine, je dirais, tout patrimoine albanais, c'est que le parti État, le parti communiste, comme ils ont fait une sorte de national-communisme albanais, c'était quelque chose que vraiment fondé sur l'identité albanaise. Ils se sont forgés beaucoup dans les histoires du passé, dans les images, ils ont glorifié. L'époque du communisme, c'était l'époque d'or, des travaux et des recherches faites, parce que l'État investissait énormément. Et depuis la chute du communisme, là maintenant en Albanie, c'est là où on se heurte beaucoup, parce que l'État n'a pas assez de moyens, ou n'investit pas assez dans les recherches. Il y a des programmes de l'État annuels, programmation de l'Institut archéologique et du ministère de la Culture de l'autre côté. Mais c'est aussi par des projets de coopération entre l'Albanie
et d'autres pays qui ont des intérêts ou qui ont une tradition de recherche et d'excavation avec l'Albanie, comme c'est le cas des Français, comme c'est le cas des Italiens, c'est le cas des Suisses, c'est le cas des Grecs et des Allemands. On a eu des ministres qui étaient vraiment la page noire de l'Albanie, qui ont signé à détruire le théâtre national, qui ont ouvert la porte justement à la privatisation de tous les parcs archéologiques, c'est vraiment inimaginable pour la culture, et ça, malheureusement, est arrivé dans le gouvernement socialiste. C'est une heure sombre pour le patrimoine albanais. C'est parce que ça a commencé au moment quand l'État a décidé de faire une nouvelle loi sur le patrimoine. Et la loi du patrimoine qui a été passée au Parlement, seulement avec les voix du parti au pouvoir et avec une opposition qui a abstenu, c'était une patchwork faite du Code italien et quelques autres lois de patrimoine de la région, copier-coller et adapter un peu à l'Albanie, mais ce n'était pas du tout une loi aux besoins du patrimoine albanais. Par contre, c'était une loi qui a été financée par la Fondation albanaise-américaine. Ils ont essayé de tisser la loi d'une façon pour ouvrir la grande porte au public-private partnership dans le domaine du patrimoine culturel et notamment dans l'archéologie. Et donc, ils donnent le droit à un privé de justement faire les excavations et d'avoir pendant des années tous les fruits de cette mine d'or pour le tourisme et pour le patrimoine albanais. Le danger le plus imminent, c'est le développement qui est vraiment qui va à l'encontre du patrimoine. Le développement effrayait le désir de construire des tours et de construire des immeubles un peu partout sans un vrai plan. Justement, on a eu des cas à Durrës où on a trouvé des quartiers entiers romains et ils ont construit des immeubles au-dessus. Moi, le patrimoine doit rester intact et restaurer, améliorer. Il faut beaucoup de programmes pour la recherche scientifique. Malheureusement, depuis deux jours, on a le plus grand institution de recherche qui a été fermée par l'État, par un décret du Conseil des ministres, parce que voilà, il veut faire une réorganisation et comme ça, ils mettent à mal 100 chercheurs, dont archéologues, instituts d'histoire et instituts d'archéologie. Donc ça montre aussi qu'on vit dans des moments durs, donc c'est un peu difficile. Ce que je le souhaite, c'est plutôt qu'on préserve les monuments et on essaye de respecter la loi aux normes donc de l'UNESCO et aux normes européennes. Je suis une optimiste par nature et je le souhaite plutôt que je le vois, mais je le souhaite que le patrimoine de l'Albanie soit bien géré, soit au profit des Albanais, au profit bien sûr de l'État albanais, mais au profit aussi de la population et que ça soit pour la promotion du pays.